Tunis, septembre 2009. Quelques jours avec Nouri Bouzid, cinéaste et scénariste tunisien. Ayant fait ses études à l'INSAS, l'école de cinéma belge, en 1968, il est emprisonné et torturé à son retour en Tunisie de 1973 à 1979 pour délit d'opinion. De son premier film, L'homme de cendre, qui le fit connaître au Festival de Cannes 1986 et où il dénonçait le viol des enfants, jusqu'à son dernier long métrage, Making of, où il démonte les mécanismes d'enrôlement des intégristes musulmans, Nouri Bouzid aborde frontalement les faces cachées de la société d'aujourd'hui. Le business touristique des gigolos, l'émancipation des femmes, l'exploitation des enfants, le terrorisme, la torture et l'emprisonnement. C'est la jdida, hadi. Je vais naïr. Ahla wasahla. Durant quelques jours, rencontre avec un cinéaste qui aura marqué de son empreinte toute la création cinématographique tunisienne et plus largement arabe. Wink. Oui.